السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت نعم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له <applause> واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا تفضل الأخ سمير. en cette soirée du dimanche de Rajab 1442 de l'Egypte, correspondant au 14 février 2021 Tawakkalna <'en> Allah Subhanahu wa donc c'est le neuvième cours du livre Murtasasilat an-Nabi al sallallahu alayhi wa sallam yani din Maqdisi résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa du cheikh Abdul Radin Maqdisi <coughs> transcription de Bébé Beybenousse traduction des admins M Kamal et H Samir تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تفضل. زوجات النبي صلى الله. الله عليه وسلم ذكر ازواجه عليه وعليهن الصلاه والسلام واول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه بنت خويلد خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب تزوجها وهو ابن خمسين وعشرين سنه. ici, lorsqu'il a dit Les épouses du prophète la mention de ses épouses, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui et elle. La première femme avec laquelle le messager d'Allah se maria et Khadija. بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب اتزوجها وهو عنده 25 ans. نعم. وبقيت <applause> معه حتى بعثه الله عز وجل فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجره بثلاث سنين وهذا اصح الاقوال وقيل قبل الهجره بخمس سنين Elle demeura avec lui jusqu'à ce qu'Allah l'envoya. Elle fut alors pour lui un soutien véridique. Elle mourut trois ans avant l'immigration, ce qui est le plus authentique des avis. Certains ont dit cinq ans avant l'immigration, d'autres ont dit quatre ans avant. Avant cela, Ta'ala, on avait yani, expliqué une fois avec euh, plus de détails que. Et montrer que la vie le plus fort, Inch'Allah ta'ala, c'est que quand il s'est marié avec Khadija, elle avait yani, son âge, sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus, un peu, juste un peu, ou alors peut-être moins. Mais ceux qui disent qu'il yani, avait 25 et elle 40, yani on avait montré que cette avis était vraiment faible, était vraiment faible et que logiquement, il ne pouvait pas marcher, vu les nombres d'enfants qu'il a eu avec elle. سي 40 يعني لا مينوبوز نعم تفضل ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة، فأمسكها. في علية الصلاة والسلام سمايا سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حثل ابن عامر، ابن لؤي بعد موت خديجة على مكة قبل الهجرة. قبله Elle était mariée à Sakran ibn Amr, le frère de Suhair ibn Amr. Elle atteignit la vieillesse auprès du messager d'Allah qui voulut la divorcer. Mais elle céda son jour à Aïcha, alors il l'a maintenue. Donc ce hadith, comme quoi, il y si un s'est désisté à donner son nuit à Aisha. يعني موجود في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم دونك الهي دون البخاري دون Numero 2593 ومسلم دون Numero 1463 باذن الله سبحانه وتعالى وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بنت ابي بكر الصديق بمكه قبل الهجره بسنتين وقيل بثلاث سنين وهي بنت ست سنين وقيل سبع سنين Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se maria à Isha binto Abi Bakr Siddiq à la Mecque, deux <coughs> années avant l'immigration. Il a été dit trois ans avant, alors qu'elle avait six ans, et d'autres ont dit qu'elle avait sept ans. Et le premier avis est plus authentique. Vous voyez que toujours quand ces questions d'histoire et, et des dates, etc., c'est très difficile. À, à dire que cet avis, Yannick, c'est le plus fort. Mais toujours on dit c'est le plus, disons, le plus prépondérant. Mais on ne peut pas dire que tous les. c'est mon avis qui est sûr et le tien qui est faux. Pourquoi Parce qu'autrefois, vous savez, il n'y avait pas, Yannis, disons, ce qu'on a maintenant, Yannis pour, Yannis, les précisions qu'on a maintenant et la, la technologie qu'on a maintenant, la science qu'on a maintenant. Et il n'y avait pas Yannis, où écrire cela ou ou garder ça il c'est très vite enregistrer les dates c'est pour ça que il trouve certaines différences ou divergences mais qui sont pas graves juste par rapport à celui qui dit c'était l'année lorsqu'il qui dit plutôt c'est l'autre année il كان من المتعارف بين العرب أن تتزوج الفتاة في مثل هذا العمر تسع سنين في مثل هذا العمر يعني الذي هو تسع سنين خاصة وأن بلادهم كانت حارة يكون فيها من نضج الفتاة ما لا يكون في غيرها مما لا يشابه خصائصها وأعراف ساكنها وقد نقل عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لقي جدة ولها من العمر Il consomma le mariage avec elle après l'émigration à Médine, alors qu'elle avait 9 ans, au début du 7e mois. D'autres ont dit au début du 18e mois. La coutume chez les Arabes consistait à ce que la jeune fille se marie à cet âge-là. C'est une habitude chez les Arabes, d'autant que leur contrée est chaude. La maturité de la jeune fille est telle que nulle part ailleurs, elle ne ressemble pas aux autres contrées dans ses spécificités et les coutumes de ses habitants. Il a été rapporté que même chef Allah a rencontré une grand-mère âgée de 21 ans, une grand-mère hein, qui a seulement 21 ans. Donc, si elle s'est mariée à 9 ans, à 10 ans, elle a eu yani, un enfant. Elle a une fille à 10 ans

على راس ثمانية عشر شهرا ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان 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 عشرة سملي. ثمانية عشر وتوفيت بالمدينة ودفنت بالباقية اوصت بذلك سنة ثمان وخمسين وقيل سنة سبع وخمسين والاول اصح وصلى عليها ابو هريرة رضي الله عنه. نعم Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'elle avait 18 ans. Elle mourut à Médine et elle fut enterrée à Al-Baqi'a, à sa demande dans son testament, en l'an 58. D'autres ont dit en l'an 57 et le premier avis est plus authentique. Abu Hurairah pria sur elle à sa mort. Quand on a parlé de Aisha radiallahu ta'ala et qu'elle s'était mariée à 9 ans, à 6 ans, elle avait fait déjà le contrat de mariage. Et à neuf ans, il y a eu ce qu'on appelle la consommation du mariage. Jamais il n'a été cité dans un hadith que le prophète, dans cette période, lui a parlé ou lui a adressé la parole. Non, pendant ces trois ans. Il était, son père était, son père de celui de Aïcha, était l'ami intime du prophète, le compagnon le plus proche. Malgré cela, il n'a jamais demandé à ce que, il, il, il fasse une assise avec elle, ou, ou, ou. Non, pourtant, il avait fait le contrat religieux. Qu'en est-il maintenant de ceux et celles qui, sans contrat religieux, se parlent et se voient même sur la webcam qu'Allah Ta'ala nous présente Qu'en est-il de ceux et celles qui se parlent, yani, sans même yani, avoir fait le contrat religieux Et elle va te dire, il va te dire que, c'est pour juste pour que je connaisse yani, son caractère rien à connaître avant le contrat religieux et même après le contrat religieux il faut se suffire seulement yani, au darola et de préférence avec la avec la présence du mahram du mahram. oh combien de dégâts de, de dégâts innombrables des milliers des millions n'am na qui sont arrivés à ceux et celles yani, qui, qui, qui ont exagéré dans, dans, dans cette chose et qui finissent, yani, par, ils finissent par consommer en cachette. Ils finissent par consommer en cachette. Et ensuite, l'homme, bien sûr, quand il consomme, yani, la plupart du temps, il va dire j'ai ce que je cherchais. Donc maintenant, il ne cherche plus. Non, il ne cherche plus yani, à continuer il va trouver des lahors. Et des fois, il meurt. Il meurt et elle est enceinte. Ses parents ne savent pas. Je connais un cas, un, un, un parmi beaucoup de cas ici en Algérie. Je connais un cas personnellement, et ils m'ont demandé un écho à faire. Elle, elle est enceinte, et lui, il a dit Je ne termine plus. Il a eu ce qu'il voulait, et son père ne sait pas. Et maintenant, comment elle va faire pour le prochain mariage Comment elle va faire avec le prochain prétendant c'est pour cela que, de préférence, que yani, le, 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 le wali, le tuteur de la, de la fille, ne fasse pas yani, le contrat religieux jusqu'à ce qu'il sache qu'il reste seulement une semaine ou un mois ou là pour le, le mariage. Sinon, yani, sûrement que ceux qui ne craignent pas de la subhanahu wa vont faire beaucoup de dégâts. Alors, qu'en est-il yani, Ceux qui font le contrat de mariage seulement et ne font pas le contrat de la mairie. Ils consomment, ils disent moi je consomme puisque l'essentiel c'est le contrat religieux et puisqu'il y a le contrat religieux, ce n'est pas important le, le deuxième. Alors moi je dis le deuxième est, est aussi important que le premier si ce n'est pas plus. Pourquoi Parce que le deuxième c'est aussi dans le Coran, il y a sans le deuxième tu n'as aucun papier. Ici on a le géré, le chef, le chef de la le celui qui fait le, le celui de la mairie, ça lui suffit, Nam. Na à la place du, du contrat religieux, il dit parce que celui-là est aussi religieux. Il contient a yani, toutes les conditions. Il n'a Et ce qui, contient, ce qui contient, de plus, c'est le papier officiel que celui-là c'est mon mari et que s'il meurt, je l'hérite et que si je meurs, il mérite. Il mérite lui, Nam, na et que ça sert à beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, quand il n'y a pas le, celui de la mairie, l'on peut facilement se rétracter et dire on a fait le contrat religieux comme ça entre nous. Moi, je vais dire que je ne l'ai pas fait, ou là, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon, mon bébé s'il a consommé en cachette. C'est pour ça que je donne un ACH. Un nasiha à mes filles et mes soeurs, mes soeurs et mes filles qui sont en Europe, de ne jamais consommer en cachette. Et ensuite, même, même yani, si on fait en cachette, ensuite, ça n'a plus la douceur du mariage. Ça n'a plus yani, l'homme, même la femme n'a plus yani, avec le, le, le souci de vouloir yani, faire le mariage. Ça, ils ont fait ce qu'ils qu cherchaient. Non. Et ensuite, pour se préserver aussi, yani, devant yani, la famille, devant les gens, devant... Non, je conseille et je préconise. Non, et je mets en garde contre ceux et celles, qui, qui consomme en cachette. Non. طيب, je voulais dire une chose par rapport à Aisha. Elle s'est mariée, donc, comme on a dit, elle a consommé à l'âge de 9 ans. Vous avez remarqué une chose le prophète sallallahu alayhi wa On l'a beaucoup critiqué, beaucoup. que menteur, sahal, sourcil, il a des juno, il a des djinn, il a ceci. C'est un moyen. Mais pourquoi on ne l'a pas critiqué On s'entend. Pourquoi on ne l'a pas critiqué On lui a dit pourquoi tu as épousé une, une petite fille. Non, comme ils disent maintenant. Ils disent il a épousé une petite fille de 6 ans, 9 ans. Non, pourquoi ils ne l'ont pas critiqué Ils ne l'ont pas critiqué parce que, en leur temps, ce n'était pas une critique. Non, et tout le monde faisait cela. On ne peut pas critiquer une chose que tout le monde fait, une chose très connue, une chose très répandue. On critique s'il si fait une chose que, il y ce n'est pas connu de, chez, chez, chez ce peuple-là ou, ou dans cette dans cette société, non. donc ceux qui veulent maintenant critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'est marié avec une fille, non. il se trompe, il se trompe beaucoup, non. se trompent beaucoup, donc c'est Abu Hurayr ta'ala anhu qui a prié sur Aïcha quand elle est morte, radiallahu ta'ala et elle a fait un, test un testament, non. que quoi, hein? qu'elle qu soit enterrée au barrière, elle voulait être enterrée, auprès du prophète wa sallam, parce que lui, alayhi sallam, a été enterré dans sa chambre, dans sa pièce, il est mort dans sa pièce, sa tête sur son giron, ta'ala. Mais ensuite, quand il y a Abu Bakr, qui, a été, qui est mort, elle a laissé yani, une place là-bas, à côté du prophète, alayhi sallam. Ensuite, Omar, quand il est mort, elle a laissé aussi yani, sa place. Ensuite, la, la pièce peut-être est exiguë, donc elle a été يعني انتيري وباقع رضي الله تعالى عنها، تفضل. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكنيتها ام عبد الله وروي انها اسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. لم wa الله عليه الصلاه والسلام ne se maria pas à une autre فيرج qu'elle. Son surnom ام عبد الله. Il a été rapporté qu'elle fit une fausse couche d'un fœtus issu du prophète. Toutefois, ce récit n'est pas authentique. Donc, ici, on a deux choses. La première, c'est que le messager alayhi wa sallam, ne s'est jamais marié à une vierge à part, elle, à part elle. Donc, pour ceux qui critiquent le prophète, qui aime beaucoup les femmes et ceci et cela, qu'est-ce qu'il aime Il aime ses épouses, entre parenthèses. Mais qui disent il aime les femmes pour faire le haram que Ta'ala nous préserve de celui qui dit cela car il devient Nam. Donc, regardez, une seule vierge. Donc, combien 11 ou 13, 13 épouses Une seule vierge, tout le monde sait que tout le monde veut, yani, tous, tous les hommes cherchent d'abord la vierge. Donc, s'il était intéressé par yani, l'aspect sexuel, il ne se serait marié que par les vierges. Mais une seule parmi 11 ou 13. Ce qui, ça, ça ne laisse aucun doute qu'il y avait un but derrière son mariage, des buts même. Et ces buts, on va les voir à la fin de ce cours, Inshallah ta'ala. La deuxième chose, les hasards ou les hadiths qui ont rapporté que hein, anha, a fait une fausse couche en étant avec le prophète, alayhi wa sallam, ceci n'est pas authentique et n'a yani, aucune, aucune source. Yani, لا اوكيون source fiable باذن الله تعالى. نعم. عن عائشه ميسكي سكي اوثنتيك. جو في دير ان سويت بو لي زوتر. عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاثة ليال جاءني بك الملك في سرقه من حرير. قطعه قماش من حرير. فيقول هذه امراتك. Fa ekshifu anwajji, fa ida antihi. Faul iyaku, fadamin in didillah yumdeh. Sahih Muslim. Nam. D'après Aisha radiallahu talana, elle a dit que le message ayam a dit, On t'a montré à moi en rêve pendant trois nuits dans un tissu de soie. Et on me dit, voici ta femme. J'ai alors dévoilé ton visage et voilà qu'il s'agissait de toi. J'ai alors dit. Si cela vient d'Allah, il se produira. Donc, le prophète, alayhi wa sallam, avant de se marier avec euh, Aisha, déjà il l'a vu na pendant trois nuits. Je ne sais pas si c'est consécutif ou pas, les trois nuits. Il l'a vu en rêve. Et c'est l'ange qui lui a rapporté un tissu de soie. Et dans ce, ce tissu de soie, na il lui dit Voici ta femme. Na Voici ta femme. Dieu alors dévoilé ton visage. Et voilà que c'était toi, il s'agissait de toi. Alors je me suis dit, si cela vient d'Allah, il se produira sans aucun doute. Et sûrement que les rêves des, des messagers en général viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont pas comme nous, le shaitan qui vient dans le rêve et il fait des machiaques, qui dit des... non. Tout ce qu'il voit dans le rêve, c'est, inshallah, Quelque chose de véridique. C'est pour ça que Ibrahim Al quand il a vu dans son rêve, dans le rêve, qu'il devait égorger son fils, il n'a pas hésité. Il n'a pas dit peut-être ça vient du Shaitan. Il sait que tout ce qui tout ce que voit les messagers, c'est quelque chose de véridique. رضي الله عنهما وكانت قبله عند خنيس بن حذافة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة وقد شاهد بدرا هذا في صحيح البخاري رقم خمسة آلاف ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل قال لجبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة حسن الصحيحة 2000 رقم 2007 وروى ابو داود في هذا الرقم يعني 2283 والنسائي في كذا وكذا ابن ماجه 2016 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصه ثم راجعها صححه الشيخ الالباني وفي روايه قال لجبريل راجع حفصه فانها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه. الشيخ الالباني رحمه الله في الصحيحه رقم 2007 قال هذا حديث حسن هذا حديث حسن ولاحظوا معي كيف يعني ما هي العلة في في إرجاعها لماذا قال له راجع حفصة لماذا تراجعها يعني تطبخ جيدا أو ماذا يعني ماذا عندها يعني قال فإنها صوامة قوامة شوف صيغة مبالغة ليس إنها تصوم وتقوم الليل لا صوامة قوامة سبحان الله وإنها زوجتك في الجنة وانها زوجتك في هكذا قدر الله عز وجل وقضى انها تكون زوجتك في الجنه لابد ان تراجعها باذن الله نعم Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, c'est Maria Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Elle était auparavant Maria Khunais ibn Hudhafa. Ce dernier faisait partie des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Il est mort à Médine Il avait participé à la bataille de Badr. Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa l'a répudié. Alors, Jibril, alayhi salam, lui est venu lui dire Certes, Allah t'ordonne de reprendre Hafsa, car elle jeûne beaucoup et prie beaucoup la nuit, et elle est ton épouse dans le paradis. Allahu akbar, Allahu akbar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décide de répudier Hafsa, et il l'a répudié. Il lui dit Tu es divorcé. Ensuite, Jibril Al Salam vient envoyé par qui Il vient comme message envoyé par qui Envoyé par Allah Subhanahu Wa Ta'ala au-dessus des sept cieux. Il lui dit "Tu vas chez Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam, et tu lui ordonnes, tu lui dis que Allah t'ordonne. Non, n'est pas te recommande, t'ordonne de reprendre Hafsa. Pourquoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala défend Hafsa Hafsa, yani, qui va la défendre contre le prophète la divorcée c'est Allah subhanahu wa qui va la défendre. Il va prendre sa défense. Pourquoi La raison. Elle jeûne beaucoup. Qu'est-ce qu'elle jeûne Le ramadan. Le ramadan, tous les musulmans le jeûnent. Mais qui jeûne les trois jours blancs Qui jeûne les lundis, jeudi? Qui jeûne, qui jeûne Non. Car elle jeûne beaucoup. Voici la cause. Demande-lui, ordonne-lui de la reprendre. Voilà la cause. Car elle jeûne beaucoup. Et prie beaucoup la nuit. Allahu Akbar. On est tous vraiment loin. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ou du moins, je parle de moi. Yani, jeûner comme ça beaucoup et prier la nuit, et prier beaucoup aussi, hein. ce n'est pas prier une fois par an, beaucoup la nuit, Allahu Akbar, yani, ça c'est wa jall. il ne donne que qu'à certains, non, pas tout le monde peut faire ces choses. Non, tout le monde peut rester des heures en face de la télé, ou euh, yani, passer sa journée dans le à dire n'importe quoi. Mais yani, jeûner beaucoup et prier la nuit, Allah azza wa jall, yani, ne le donne qu'à ceux qui qui l'a choisi, na qui l'a et il a dit elle sera elle dit lui qu'elle sera son épouse dans le paradis. Donc quand quelqu'un jeûne beaucoup, il prie beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala prend sa défense. Tu n'as pas besoin d'un avocat ici, c'est Allah D'ailleurs dans le Coran, Allah ta'ala dit Inna allah يُوَدَّفِعُ عَنِ amanu » C'est un verset. Allah Allah wa prend la défense des, des croyants. إن الله <Wars> يدافع إِه عن الذين آمنوا. سبحان الله العظيم. توت شخص كي بيوز الله سبحانه وتعالى برون سا ديفونس باذن الله عز وجل سوا دون ان ديفورس سوا دون نامبورت كي المشكلة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فبلغ عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر توفيت سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثمان وعشرين عام أفريقية سحاديث ولهذا الحديث هذا الذي ذكر الآن حديث الموضوع قال الشيخ الألباني عنه في سلسله الأحاديث الضعيفه والموضوعه السيء في الأمة مجلد 13 صفحه 760 باذن الله تعالى عقبه ابن عامر الجوهني ان رابورته الرساله الله صلى الله عليه وسلم ارفض حفصه بنت عمر لا أتيني اتني عمر alors il jeta de la terre a son visage et il dit Allah ne se souciera plus de Omar et de sa fille après cela. Jibril alayhi salam descendit le lendemain sur le prophète alayhi salat et dit: Certes, Allah t'ordonne de reprendre Hafsa par miséricorde pour Omar. Elle mourut l'année 27, d'autres ont dit 28, l'année d'al-Ifriqiya. Donc ce hadith est forgé. Le Sheikh al-Albani a cité dans ses al voilà le yani tome 13 page numéro 760 ou la page 760. Comme quoi, lorsque le prophète sallallahu a répudié hafsa, yani diabyle est descendu et il a demandé au prophète alislam de reprendre de reprendre hafsa par miséricorde pour Omar. Et vous voyez même pourquoi il est forgé. Déjà, vous-même vous remarquez qu'on a dit que l'atal a pris sa défense. Et a ordonné au prophète, Ali de la reprendre. Pourquoi Pour trois choses. Il a dit elle, elle jeûne beaucoup, elle prie beaucoup la nuit, et elle sera son épouse au paradis. Donc ce hadith est forgé. Ensuite, je voudrais revenir un peu marche arrière, une petite chose. Euh, ici, quand il a dit euh, le messager de la République, Hafsa, Bint Omar, la plupart de nous, hein, quand ils ont un enfant là, ils disent euh, Omar, Omar, comme ça, Omar. Alors que ce n'est pas Omar, c'est Omar. Omar. Il n'y a pas le... Il n'y a ni l'Alif il n'y a pas Omar. Non, c'est juste Omar. Alors ça, il faut bien prononcer, on dit Maintenant, chez nous, la plupart disent, يعني, Umar. Umar ben Umar, ben il Omar. Omar b'nour khtab. Ce n'est pas Omar, c'est Omar b'nour al Non. Et il dit, elle mourut, l'année 27. D'autres ont dit l'année 28. L'année de l'Ifriria. L'année de l'Ifriria. افريقيا نون دوني او بيي سي كوي اونتري لجيبت اي لو مارو لانجيري باغ اكزومبل اي لاني دافريقيا صا دير لاني سا كونكيت ان مورو لاني اون ا كونكي يعني افريك نعم voir معجم البلدان توم 1 صفحه 228 باذن الله تعالى تفضل وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان واسمها رمله بنت صخر ابن حرب ابن اميه أمية بن عبد شمس بن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص توفيت سنة أربع وأربعين بينا في يعني الدرس الذي قبل هذا أو قبل قبل هذا نعم أن الصحيح أنه لم يتنصر أن عبيد الله بن نجاح أن صحيح أنه لم يتنصر وأنه يعني مات مات هناك في الحبشة ويقال مات مريضا بل يقال حتى أنه هو الذي يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعده حتى لا تبقى هكذا معزولة في الحبشة وهذا بيناه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب. في <applause> الله عليه الصلاة والسلام في أم حبيبة بنت أبي سفيان سموني رملة Harb, Manaf. Elle a émigré avec son époux, Ubaidullah Ibn Jahsh, vers la terre d'Abyssinie. Il se convertit au christianisme en Abyssinie et Allah compléta l'islam d'Um Le messager d'Allah, alayhi se maria à elle alors qu'elle se trouvait en terre d'Abyssinie. C'est le négus qui donna sa dot de 400 dinars. Le messager d'Allah envoya Amr ibn Umayya al-Damri pour la ramener de la terre d'Abyssinie. Son tuteur de mariage fut Uthman ibn Affan et d'autres ont dit Khalid ibn Saïd ibn al as Elle est morte l'année 44. par oui, rapport par rapport à des gens par rapport à Um Habiba, bint Abi son nom est Ramla. Elle est très connue par sa kunya Om Habiba. Mais il yani y en a peut même, mais il qui ne savent pas que c'est la fille de Mais elle est très connue par sa kunya Om Habiba. Alors que son nom, c'est Ramla. C'est Ramla, son nom. Donc elle a épousé, euh, ils disent ici, elle a émigré avec son époux, Obeydullah ibn vers la terre d'Abyssinie. Il, il se convertit au christianisme en Abyssinie et ça, on l'a déjà montré il y a à peu près un mois que ce n'était pas vrai, et que Inshallah, la, la vie le plus fort, il est Yani, il est mort là-bas malade, et il ne s'est pas il est converti au christianisme. On a donné tous les dédés que quand quelqu'un goûte vraiment il la douceur de la foi et quand elle pénètre vraiment dans son plus le plus profond de son cœur, jamais il n'apostasie. Qu'en est-il un sahabi, qu'en est-il un compagnon Mais c'est vrai que quand il est mort, le prophète a épousé son épouse, a épousé Umm Habiba, c'est devenu l'une de, de nos mères. Certains ont dit que, on que c'est lui-même, son mari, qui a demandé au prophète, car il savait qu'il allait mourir, de l'épouser après lui pour pas qu'elle reste là-bas, esselée, esselée. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن ع... ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم توفيت سنة اثنتين وستين ودفنت بالبقيع بالمدينه. وهي اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاه. وقيل ان ميمونه اخرهن. الاخ كامل تتغابل ان شاء الله دو لا دو ابني ابني تتغابل؟ صحيح. صحة صح اليوم تو بليي ان نو. الله المستعان. <تصح> الله <مريكم> المستعان. <نام> <تصح> <تصح> ما فيش مشكلة جزاك الله خير ما فيش مشكل. نعم تفضل. لمساجد الله عليه الصلاه والسلام هي ماريا أم سلامة اسمها هند بنت أبي أميّة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب كانت ماريا أبو سلامة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم مات في عام 1962 وكانت مهجورة البقيع في Elle est la dernière épouse du prophète à être morte. D'autres ont dit c'est Maïmouna qui fut la dernière d'entre elles à mourir. Um salama, Una, une des épouses du prophète la mère des croyantes aussi, des croyants, et elle avait un rôle principal à côté du prophète, qui était quoi? C'était le rôle de, disons, elle avait la fonction de, de conseillère. Elle donnait des conseils au prophète alayhi wa sallam et plusieurs fois, quand il prenait ses conseils, ça, ça donnait le, le, le résultat que cherchait le prophète alayhi wa sallam. Donc, radiyallahu ta'ala, elle a été enterrée à Al-Baqir et ni'ma, ni'ma l'enterrement à Al-Baqir. Ni'ma l'enterrement. الباقية طيب كونتينيو وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة مرة بن كبير بن, كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الله هو أكبر عندك عندك لا الله اكبر زيد احسن الله اليكم وهي بنت عمته اميمه بنت عبد المطلب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثه فطلقها فزوجها الله اياه من السماء ولم يعقد عليها وصح انها كانت تقول لازواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن اباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات Pourquoi moi je demande toujours, surtout en arabe, de ne pas, ne pas aller vite Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup qui assistent avec nous et qui ne connaissent que quelques quelques, horofs, quelques lettres en arabe. Alors il y a beaucoup de débutants et débutantes qui voudraient bien yani, suivre comme ça doucement, doucement yani, pour voir comment quand, quand on lit et pour qu'ils qu apprennent avec nous. C'est pour ça inshallah sauf si tu vas, tu peux aller chez le mécanicien, il te te donne quelque chose qui, femme, il te place des freins, des freins, un petit frein comme ça dans la bouche, comme ça, femme, tu vas aller doucement, doucement, jallah. Ça y est. Donc ici, il y a quelque chose à dire ou à montrer, on va voir. Voilà le hadith. Zawaj kunn aha comme ça, les zayn. Wa zawajanillahu taala min foku sibgi sammawat, Allahu akbar. Donc, il euh, n'y a pas, puisqu'il n'y a pas en français, je le traduis. Zeyn disait Zouwajakuna Vos parents, vous, 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 les épouses du professeur, c'est vos parents qui vous ont marié. Le père, le tuteur, les deux témoins, etc. Ou Allah, quant à moi, c'est Allah Ta'ala qui m'a marié d'au-dessus des sept cieux Parce que Allah, Ta'ala Nahm lui a dit dans le Coran, Nahm de l'épouser. Elle a dit donc vous Vos parents vous ont marié. Quant à moi, c'est le Rassoupana Wataala, d'au-dessus des sept cieux qui m'a mariée. Elle se vantait toujours, yani de de cette chose, yani qui n'est arrivée qu'à elle, qui n'est le Rassoupana elle Le message d'Allah c'est Maria Nab bin Toujash, Ibn Riab Ibn Yamar. Ibn Sabira, Ibn Murra, Ibn Kabir, Ibn Ghunm, Ibn Doudan, Ibn Asad, Ibn Khuzayma, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nazar, Ibn al-Mad, Ibn Adnan. Lâchda Samir, Samir. puisqu'en français on ne va pas dire « bni, 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 bni », alors euh, à part le premier on dit « bnou, la bna » ou « la dafri » ce qu'il y a avant lui, à, à la rigueur quand tu dis « toi » en français ne, « ne, ne, ne fait pas la dhamma, ne dit pas no, « ibn, dit « ibn » direct. » Très bien, cher. Très bien. Elle est la fille Elle est la fille de sa tante, Umaymah Abdelmuttalib. Elle était auparavant mariée à Zayd ibn Haritha, qui la répudia. C'est alors qu'Allah l'a mariée au prophète, alayhi salatu wassalam, au-dessus des cieux, sans avoir à établir de contrat de mariage. Allahu Akbar il a été authentiquement rapporté qu'elle disait aux épouses du prophète, ce sont vos pères qui vous ont marié, alors que c'est Allah qui m'a marié, au-dessus de sept cieux. Elle mourut à Médine l'année 20 et elle fut enterrée à al baqir Donc, même les épouses du prophète, il y avait de la jalousie entre elles. Non. Chacune d'elles voulait yani, qu'elle soit la plus proche du prophète, sallam, ou yani, avoir un mérite que les autres non pas. Et Zeynep avait ce mérite que donc que les autres n'ont pas eu, ils ne pouvaient peut-être pas avoir, puisque là, elles sont mortes maintenant. Elle disait Ce sont vos pères qui vous ont mariés. Alors que c'est Allah qui m'a marié au-dessus des sept yeux. Sans, regardez, sans avoir à établir de contrat de mariage. Allahu Akbar. C'est vraiment un bienfait que vraiment. Dans ce bienfait, vraiment, elle a dépassé les autres épouses. Je dis dans ce bienfait, pas dans toute chose. Dans ce fadl, elle a vraiment dépassé les autres épouses. Ou Zawouja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zainababinta Hoseima. Hoseima t'a b'n al-harif, ibn abdillah, ibn amr, ibn abdi manaf, ibn hilal, ibn amr, ibn sa'asa, t'a b'n mu'aouiya. وكانت تسمى ام المساكين لكثره اطعامها المساكين وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد اللطيف بن الحارث وفي مصادر اخرى الطفيل بن الحارث والاول اصح وتزوجها سنه ثلاث من الهجره ولم تلبث عنده الا يسيرا شهرين او ثلاثه ولم يمت أحد من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته إلا هي وخديجة قبلها ها القراءات في ميريت فريمون يعني ان يعني كادو بوكش القراءة بوكش احسن الله عليكم. سيت دي بوزيتيف فهمت بوكش دي بوزيتيف فهمت جي في بوغ سكو جو بو سكو تومبوي الشيخ نعم اي ميريت ان تسكي ها تسكي ها الله المستعان الله المستعان فهمت طيب وما صار marcha لو ما صار اي تفضل الرساله الله عليه الصلاه والسلام سي ماريا زينب بنت خزيمه ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن ساسعه ابن معاويه كانت تسمى بل لا مير دي فقره كارل كانت بوكو ماريا عبد الله Ibn Jash, d'autres ont dit Abdul ibn Al-Harith, dans d'autres sources, Al-Tufayl ibn Al-Harith, et le premier avis est plus authentique. Il se maria à elle l'année 3 de l'Égypte, et elle ne resta que peu de temps à ses côtés, deux ou trois mois. Aucune femme du prophète ne mourut pendant sa vie en dehors d'elle et Khadija auparavant. Donc, elle est auparavant mariée à bon Abdullah ibn Jash.

حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعية سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في ست من الهجرة. دونك كتبها المكاتبات والكتابات هي اعتاق السيد عبده او امته على مال في ذمته يؤديه مؤجلا سمي بذلك لان السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفق عليه وقيل غير ذلك انظر المغني لابن قدامى 14 441 دونك المكاتبه نعم Allez, on va voir quand ça va venir en France, Le message d'Allah, wa c'est Maria Jouairia, Bint al-Harith, Ibn Abidirar, Ibn Habib, Ibn Aïf, ib, Ibn Malik, Ibn al-Mustaliq, al-Khuzayya. Elle fut prise comme butin à la bataille de Benul-Mustaliq. Elle revint à la part de Thabit, Ibn Qais, Ibn Shammas, lequel l'a en contrepartie de biens. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, régla la dette de son affranchissement et se maria à elle l'année 6 de l'Égypte. Elle mourut au mois de Rabi' al-Awwal de l'année 56. Nam, donc euh, quand euh, une personne non, tombe dans le butin, car vous savez que quand on est en islam, il y a par exemple une guerre, non, ensuite il y a des prisonniers, non, le disons le, le gouverneur ou bien le, le, le chef de, de l'armée ou bien nan, il est libre de faire une chose des quatre ou bien tuer la personne parce que maintenant là c'est des prisonniers nan, ou bien c'est tout à fait le contraire c'est-à-dire le laisser aller yani, le libérer nan, ou bien il peut faire aussi quoi peut yani, faire ce qu'on appelle mukataba voilà, tu donnes tant d'argent à payer, par exemple, entrée. Ce n'est pas obligé de payer tout à la fois, comme ça, par exemple, disons 100 euros par, par mois. Ou la femme, disons que pour, pour 2000 euros, je te libère, donc tant par mois. Ou bien, Yanni, par exemple, quelqu'un qui a, par exemple, connaît bien telle, telle matière ou là, tu, 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 nous, tu apprends à nos enfants, par exemple, telle chose. Là, telle matière ou là, ou la tel sport ou là, et on t'a franchi, mais il n'est pas Donc, elle, elle est tombée dans le butin. Elle est tombée, tombée dans le butin à la bataille de Benou el mustaliq Et elle revint à la part de Thabit Ibn Ores. Quand ils ont commencé à se, à se, à se à partager le butin, elle est tombée, elle, dans la part de Thabit Ibn Qais Ibn Chemes. Il l'a franchi en contrepartie de bien. C'est ce qu'on a dit, ce qu'on vient d'expliquer. Alors, le messager Hassan régla la dette de son affranchissement et se maria à elle. Elle devint yani, libre, n'am et il se maria à elle. Elle mourut au mois de Rabi'al, au mois de l'année 56. Je crois qu'on va terminer. <stereotype> tu وتزوج رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم صفية بنت حجي ابن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب ابن الخزرج النضرية ومن ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام يوجد اختلاف في سرد النسب بين الذي هنا والذي في المصادر الأخرى ففي فتح الباري في فتح الباري صافية بنت حويي بن أخطب جسكولا بن سعيان عم بن عامر بن عبيد بن كعب من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهم السلام نعم هارون أخي موسى عليهم السلام سبيت في خيبر سنة سبع من الهجرة وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتوفيت سنة ثلاثين وقيل سنة خمسين طيب دونك الو سي صفية بنت أخطب نعم إي سون بار سي سي جويف نعم الو سي يعني إلي تومبي دون لو بوتان نعم إلي تومبي دون لو بوتان نعم سافا إن شاء الله إي لما قال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل إي قاتله جيش النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غزوة خيبر نعم يعني لما قال قتله رسول الله ليس هو الذي باشر القتل إنما قتله يعني من كان في جيش النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم لمساجد الله عليه الصلاة والسلام سماريا صفية بنت حويي ابن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب ابن الخزرج النضرية أحد أطفال هارون ابن عمران أخوة موسى عليه السلام Il existe une divergence dans le déroulé de la généalogie présentée ici, ce qu'on vient de dire, et celle des autres sources. Donc, Feth al-Bali, c'est Safiya, Huyay, Ibn Akhtab, Ibn Sa'ya, Ibn Amir, Ibn Ubeid, Ibn Ka'b de la descendance de Harun, Ibn Imran, le frère de Moussa. C'était l'une des plus, parmi les plus belles. Femme ou les plus belle épouse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père c'est un juif, comme on vient de dire, vous allez voir Yanni, inshallah, une chose importante qui va venir. Elle fut prise comme butin à Khaibar en l'année 7 de l'égir. Elle était auparavant mariée à Kinana, Ibn Abi al-Hhuqayk, que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam tua. C'est-à-dire que l'armée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam le tua. C'est écrit ici que le messager sallam, tua mais ce pas lui qui le tue personnellement. On avait dit une fois qu'il n'a tué qu'une seule personne et on l'a cité. Mais ça veut dire que c'est son armée qui l'a tué. C'est l'armée du prophète qui l'a tué lors de la bataille de Khaybar. Il a franchi sa fille et il fit de sa dot son affranchissement. Elle mourut l'année 30 et d'autres ont dit l'année 50. Donc ici, aussi le prophète, quand sa fille est tombée dans le butin, سي لوي كي لا يعني كي ا بيي نعم اي لا نعم اي في سا دوت سون افرانشيسمون نعم الا دي يعني لا دوت سي كوا سي كو جو تافرانشيس باذن الله سبحانه وتعالى طيب وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت الحارث بن حزن بن جبي بن بجير بن الهرم بن رويبه ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعه بن معاويه وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيها وماتت به وهو ماء على تسعة أميال من مكة وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين توفيت سنة ثلاث وستين <applause> المساجد الله عليه الصلاة والسلام سماغيا ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية. اللي لا خالد ابن الوليد اي عبد الله ابن عباس. لمساجد الله عليه الصلاة والسلام سماغيا آلا شريف ايلي كونسوما لو Serif est un point d'eau situé à 9 000 de la Mecque. 1000, c'est combien de kilomètres à peu près C'est euh, à peu près, attendez, je regarde Cher. Blametchouf, à peu près 1,5 km. 1,6, je crois. 1,6. Il y en a qui disent 1,8 km. Donc 9 000, 9 par 1,5 km. Ça fait 9 et 4,5 km. Ça fait 13,5 km. 13 km à peu près. Wallahu alam. Elle est la dernière mère des croyantes qu'il a épousée. Elle mourut l'année 63 de l'Égypte. Donc, Meymouna bint al c'est la dernière épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte en l'année 63 de l'Égypte. Donc, c'est Meymouna. jumlatu man dakhala bihinna wa ala قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب في اسماء الاصحاب جزء واحد صفحه 90 واما اللواتي اختلف فيهن ممن ابتنى بها وفارقها او عقد عليها ولم يدخل بها او خاطبها ولم يتم له العقد بها فقد اختلف فيهن وفي اسباب فراقهن اختلافا كثيرا Voilà l'ensemble des femmes avec lesquelles le prophète a consommé le mariage. Elles sont au nombre de onze. Il établit le contrat de mariage pour sept femmes, mais ne consomma pas le mariage. Donc, voilà l'ensemble des femmes avec lesquelles le prophète a consommé le mariage. Elles sont au nombre de onze. Donc, il a consommé avec onze femmes. Hein? il établit le contrat de mariage pour cette femme mais ne consomma pas, ne consomma pas le mariage. donc il établit le contrat de mariage pour cette femme mais ne consomma pas le mariage Si vraiment il cherchait l'aspect dont on a parlé tout à l'heure il, il a établi le contrat de mariage mais ne consomme pas chez nous, dès qu'ils qu établissent contrat de mariage, la même nuit, peut-être qu'ils vont consommer. Subhanallah, l'adhim. Subhanallah, l'adhim. Maintenant, ils commencent à, à se parler, ensuite à se voir, ensuite à, à dire des, 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 des gros mots, ensuite à s'insulter, et ensuite, ils, ils vont se marier. C'est normal que ça ne se termine pas. Non. Ça commence toujours par une chose que les cF n'ont pas fait. Commence par se voir par la webcam

les a résumés dans son livre, fat'h bari tome 9, page 115, en 10 points, parmi lesquels, donc, voici dix points qu'il faut essayer de retenir ou de les noter ou, en tout, de toute façon, inshallah, allah, je, je vous annonce la, la bonne nouvelle et la grande nouvelle Inch'Allah, que à partir de ce cours, ce cours qu'on est en train de faire, yani, il sera diffusé, ce, ce cours et ceux qui vont venir après, bien sûr, seront diffusés, yani, sur, euh, sur YouTube. C'est-à-dire, sur YouTube, dorénavant, vous n'entendrez pas seulement la voix, l'audio, mais vous verrez aussi ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui veut réviser, allez, il peut re revenir et voir. Voir, et yani, aller en même temps, ce qu'on est en train de voir. Donc, parmi les dix points, il faut, aller yani, retenir le maximum. Pourquoi? Parce que les ennemis d'Allah Azzawajal, les ennemis de l'islam, ne cessent de critiquer notre prophète, sallallahu alayhi wa comme quoi, il, était, il aimait les femmes, son but c'était seulement le, le charnel. Nous et les grands savants avant nous, comme Ibn Hajj dans Feth al-Bari, et beaucoup d'autres aussi avant lui, et après lui, ont montré certaines, certaines choses, certaines causes pour lesquelles le prophète, sallallahu se mariait. Premièrement, pour qu'augmente le nombre de ceux qui assistent à ces états cachés, réfutant ainsi ce que pensent de lui les associateurs, à savoir qu'il est un sorcier ou autre. Donc la première, ou l'une des causes, ce n'est pas obligé que ce soit la première, même si on, nous on a donné un nombre comme ça, numéroté. Donc l'une des raisons pour qu'augmente le nombre de ceux qui assistent à ces états cachés. Maintenant quand il se marie avec une femme, ensuite toute sa famille vont être des proches du prophète, ils vont voir des choses, Yannick, que s'il ne pas marié, par exemple, avec cette, cette famille, tous les membres de cette famille n'auraient pas su et n'auraient pas vu yani, les miracles qui se produisaient. C'est pour ça que les Sahaba yani, n'ont jamais apostasé parce qu'ils étaient tout le temps avec lui et voyaient des choses des choses yani, extraordinaires qui les poussaient yani, à, à ne jamais, ne jamais douter de, de, du message du Prophète et qu'il était un prophète. Non. Mais quand tu es loin de lui, tu ne connais pas, tu dis n'importe quoi sur lui. Là, tu dis que c'est un homme normal et il n'a rien de spécial. Peut-être même c'est un menteur, c'est si ceci, si, cela. Voilà, comme ils disent, c'est un sorcier ou autre. Mais ceux qui l'ont côtoyé, jamais quelqu'un ne peut dire que c'est un sorcier ou autre. Non. Pour que soient honorées les tribus arabes lorsqu'ils se marient à l'une de leurs filles. Et ça, c'est clair. Une tribu, c'est pas Allah l'Adim, c'est dire que, qui va dire que. Yani le prophète, sallallahu alayhi c'est notre, notre gendre. Yani notre gendre, c'est le prophète, On m'a adraka c'est qui le prophète, C'est notre gendre. Ensuite, s'il y a une deuxième euh, tribu avec laquelle, yani, dans laquelle il prend une femme. Donc les deux tribus vont, s'ils étaient yani, belligérantes, elles vont devenir, il yani, n'y yani, a plus de guerre entre elles. Ils vont dire, comment On a le même gendre qui est le prophète, islam, mais on fait la guerre. Troisièmement le renforcement de l'affinité avec eux. Voilà, c'est ce que j'ai un peu expliqué plus haut. C'est pour qu'il y ait yani, de l'affinité entre yani, les tribus desquelles il prend yani, une épouse. L'augmentation de ce qui lui a été légiféré, car il lui a été légiféré de ne pas s'occuper par ce qu'il aime au détriment de l'insistance dans la transmission de la révélation. Naam. Le prophète son but, c'est quoi C'est yani la transmission de la révélation. C'est ça sur euh, la chose sur laquelle il doit bien, insister. Bien, il ne doit pas bien, être, être bien, occupé par autre chose. Donc dans, maintenant, c'est l'augmentation de ce qui a été digifféré, car il lui a été digiféré de ne pas s'occuper parce qu'il aime au, au détriment d'eux, yani l'insistance hein, et la souciance dans la transmission de la révélation. Cinquièmement, Cinquièmement, pour que sa tribu augmente en nombre de femmes, afin qu'augmente le nombre de ses alliés contre ses belligérants. Voilà, pour que la tribu augmente en nombre de femmes. Non. afin qu'augmente, voilà le but, afin qu'augmente le nombre de ses alliés contre ses ennemis, contre ses ennemis. Maintenant, quand il épouse une femme de telle tribu, une, de, une femme d'une de, de, autre tribu, une femme d'une troisième tribu, toute la tribu va devenir du côté, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, maintenant, si la tribu combat 100 personnes, donc 100 personnes de son côté contre ses ennemis. Une deuxième tribu qui a 50, 30 personnes, 30 personnes, maintenant avec le prophète Hassan contre qui Contre ses ennemis. Parce que ce pas possible que je donne ma fille à quelqu'un et moi je suis contre lui ou bien mes fils ou mes filles sont contre lui, contre mon gendre. C'est pas possible. Toute la tribu devient avec lui. Sixièmement, pour que soient rapportées les règles légiférées que les hommes ne voient pas. Car la plupart de ce qui se déroule avec l'épouse relève de ce qui est caché. La plupart de ce que fait un homme avec son épouse relève du, 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 du chose, des, des choses cachées, non. même si ce n'est pas des choses intimes. Quand je suis avec, par exemple, mon épouse, elle voit yani, comment la façon dont je mange, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas, comment je m'assois pour manger, qu'est-ce que je dis avant tout de manger, qu'est-ce que je dis quand je termine, est-ce que je me lave les mains ou pas, toutes ces choses, comment on peut les savoir C'est une femme, c'est une épouse qui peut nous montrer cela, pas un homme, pas un homme. L'homme, la plupart du temps, il n'est pas tout le temps avec le prophète. Donc, pour que ce soit rapporté les règles légiférées que les hommes ne voient pas c'est pour ça que il est posé aussi Yanni les femmes. Non, mais pourquoi on dit que Aïcha, par exemple c'est la femme qui a le plus de fierté, par exemple parmi les femmes, peut-être même parmi les hommes, parce que raconte des choses que, je, que les hommes ne savent pas. Elle dit que je l'ai vu faire ceci, l'ai vu faire cela, j'ai entendu dire ceci quand il va au lit, quand il se lève, quand il va aux toilettes, quand ceci cela, des choses que les hommes ne peuvent pas savoir. Non. Septièmement, pour avoir connaissance des beautés de ses comportements cachés, il s'est marié à Mouhabiba, hein, tandis que son père le tenait en adversité. Et sa fille, après que son père, son oncle et son mari ont été tués. S'il n'était pas la plus parfaite des créatures, elle l'aurait fui. Cependant, il fut encore plus aimé auprès d'elle que leur propre famille. C'est pour montrer que, et avoir la connaissance des beautés du comportement le caché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié à un um, habiba. On avait dit que c'était Ramla, Alors que son père, c'était qui? Yani, son père, vraiment, yani, avait de l'adversité, de l'animosité, une grande, une grande adversité, animosité contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, la sœur de Mouawiyah. Donc, est-ce que, est-ce que, yani, cette grande cette grande adversité, adversité qu'avait son père. C'est qui son père Qui connaît le père de Mouawiyah, radhiallahu ta'ala Abu Sufyan. Abu Soufyan. Avant l'islam, c'est un grand ennemi, un grand ennemi du prophète, on a cité, on a cité ça, ça. Et subhanallah, quand le prophète, c'est marié avec Um habiba. elle n'a pas dit, celui-là, mon père le déteste, donc moi je, je le déteste. Et Elle ne peut pas, pourquoi parce qu'elle voit des choses et des comportements indescriptibles, vraiment beaux. Ça ne ça peut, peut pas lui donner de la rancune pour qu'elle garde la rancune à cause de son père. Mais elle fond du verre fondre, elle fond comme le beurre en voyant comment qu'est le prophète. La même chose, sa fille. Après, son père a été tué par les, les musulmans. Et elle, elle les a vus quand ils l'ont tué. Son oncle et son mari, les trois, ont été tués par les musulmans. Et après, elle devient l'épouse la, 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 du prophète Islam, et elle l'aime, subhanallah S'il n'était pas la plus parfaite des créatures, elle aurait fui de lui. Elle n'aurait pas pu l'aimer. Elle dit, elle dit Assassin, assassin, tu as, tu as assassiné mon père, vous avez tué mon père. Regardez, les trois, subhanallah Après que son père, son oncle et son mari furent tués, et quand même, elle accepte. D'être l'épouse du prophète, pourquoi elle accepte si ce n'est que qu'elle a vu, elle voit et elle sait qu'il a des comportements que personne ne peut avoir. Cependant, il, faut, il fut encore plus aimé auprès d'elle que leur propre famille. Huitièmement, pour les prendre en charge et s'acquitter de leurs droits, la plupart de celles auxquelles il s'est marié étaient des veuves isolées et qui avaient perdu celui qui pourvoyait à leurs besoins. Le prophète a la plupart non, des femmes avec lesquelles il s'était marié étaient des veuves isolées. Premièrement, veuves et deuxièmement, isolées. Non, qui n'a même pas comment faire, rien, ni se débrouiller pour, se, pour, pour vivre, disons. Donc, il les a épousées pour les prendre en charge non, et s'acquitter de leurs droits. Regardez, des, des veuves isolées s'il était vraiment quelqu'un qui cherchait le côté charnel, pourquoi il va vers une veuve Pourquoi il va pas vers une jeune fille dame, de, de 18 ans, 17 ans, pourquoi 20 ans Pourquoi il va vers une veuve de 30, 40, je ne sais pas Et isolée, isolée, vraiment y yani, miskina qui, qui tout juste arrive peut-être à manger peut-être le matin, ne mange pas le soir. Donc, ce n'est pas le but charnel comme disent les ennemis de subhanahu wa Ta'ala. Ibn al-Barr a dit dans son livre, Al-Isti'ab fi Asma'i al-Ashab, tome 1, page 90, quant à celles au sujet desquelles il y a divergence, parmi celles dont il a consommé le mariage ou qu'il a quitté, ou pour lesquelles il établit le contrat de mariage sans parvenir à la consommation du mariage, ou celles qui demanda en mariage sans arriver à l'établissement du contrat de mariage, on a divergé à leurs propos et sur les causes de la séparation. La divergence est tellement grande qu'elle oblige à s'abstenir d'affirmer catégoriquement l'authenticité de l'une de ces raisons. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure au début du cours, yani par rapport aux dates, etc., yani il n'y a pas quelque chose, comme on dit, à 100%, parce qu'il y a des divergences. Dans ce cours, on a vu, d'après l'auteur, que le prophète Aslam, il en yani a consommé avec 11. Moi, ce que j'ai toujours lu, la plupart du livre, qu'il avait consommé avec 9. Pas 11. Mais yani, c'est pour ça qu'Ibn Abdul Barahim a dit yani, on doit s'abstenir d'affirmer catégor catégoriquement l'authenticité de yani, l'un yani, de des avis. De dire c'est à 100% neuf, Et lorsqu'il dit non, c'est à 100% 11. Il a consommé avec 11. Et comme ça. C'est la dernière chose maintenant. Nahm. Juste pour que vous vous rappeliez bien, bi wa donc vous voyez ça avec moi, inshallah, pour, pour bien vous rappeler aussi ce qu'on vient de voir, c'est un résumé ici. Donc les épouses du prophète, Khadija bint Rouilad, Sauda bint Samar, Aisha bint Abi Bakr, Hafsa bint Omar, Um Habiba bint Abi Sufyan, Um Salama, Zainab bint Jash, Zaina bint Rouzeima, Jouiria bint al harith Safia bint Houyey et la dernière, Meymouna, c'est n'est pas Amimouna, Meymouna bint al harith Meymouna bint al harith Nam. Ad, inshallah ta'ala, vous le trouverez après sur le YouTube, il Nam. Donc, euh, voilà pour le livre, pour le livre qu'on est en train d'étudier. Fin du cours d'aujourd'hui, bi-Idllah, subhanahu wa ta'ala. سمير تيوم دي سي سي فور يعني لا ماشينا كي غادي سي سي لا ميم شوز با باسكو جي اون بيان ممتاز الله يبارك اي الحمد لله دونك ان شاء الله بور بروشان كور فوالا اي فو سيغا كومونيكي سور مون سيت تويتر او بيان تيليجرام باذن الله سبحانه عز وجل نعم دونك دي سي لا جو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا فولي زادمين <applause> جزاكم الله خيرا شيخ بارك الله فيكم امين جزاكم الله خيرا <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>